Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous avez pu apprécier en première partie le Salle Symphonique Cecilia, qui nous a fait une belle prestation sur ce fil conducteur de la liberté. J'aimerais en profiter pour remercier les musiciens du Salle Symphonique, leur présidente Perrine de Oliveira et leur directeur Pascal Lénard de nous avoir permis à l'harmonie municipale dans l'Aimerie de partager l'affiche pour ce concert du Nouvel An de 2015. J'en profite donc au nom de toute l'harmonie de vous souhaiter tous nos voeux ainsi qu'à vos proches, donc santé, bonheur et tout ce qui va bien en ce début d'année. Je voudrais excuser M. Bernard Baudou qui est retenu pour des raisons de charge de mandat, ainsi que l'adjoint à la culture, M. Durieux, qui est invité pour des problèmes de soucis de santé. Mais le conseil municipal est représenté, puisqu'on a M. Dehors ainsi que Mme Diane qui sont ici parmi nous. J'aimerais aussi remercier les présidents d'associations, j'ai vu la Courage, j'ai vu une troupe de théâtre de Saint-Rémy, ainsi que le vice-président de la fédération de la délégation Maubeuge auquel nous sommes affiliés. Ça nous fait toujours chaud au cœur de voir d'autres associations qui font comme nous, partager l'art et la culture, viennent nous écouter, partager avec nous quelques moments. Merci aussi à vous d'être venus aussi nombreux, malgré les impératifs, les événements climatiques qui auraient pu faire croire, qui auraient pu glisser ou quoi que ce soit. C'est gentil, ça nous fait chaud au cœur. Pour cette deuxième partie, donc, ce sera l'harmonie municipale de Noëmbride, registre différent, donc on n'a plus les cordes, c'est que des instruments avant. Donc un orchestre différent, un style de musique différent, mais nous on n'a pas de fil rouge, mais on va faire un peu dans la continuité, on va garder le même directeur. Donc on va jouer sous la direction de Monsieur Pascal Lénard. Voilà. Bonne seconde partie de concert. Sans doute l'œuvre la plus populaire du compositeur russe Nikolai Rimsky-Korsakov, Scheherazade est le plus important monument oriental de toute la musique du XIXe siècle. Elle comprend quatre mouvements, la mer et le vaisseau de Simbad, le récit du prince Kalender, le jeune prince et la jeune princesse, festival à Bagdad. Cependant, nous n'allons vous interpréter que les deux premiers, car l'œuvre dure au total 45 minutes.
Nous allons maintenant vous interpréter une pièce des années 80, s'intitulant Chroma, d'un compositeur américain nommé Carl Stromeu. Les couleurs présentées tout au long de cette pièce démontrent de vastes contrastes entre le jazz, une ambiance de cirque et des qualités très dramatiques permettant aux musiciens d'afficher une variété de styles et techniques de jeu. She Loves to Dance est une œuvre plutôt récente. En effet, elle fut composée en 2012 par Jean-Pierre Hegg.
Ce dernier est tout d'abord un célèbre directeur d'orchestre de grandes villes françaises, mais également belges. Parallèlement à la direction d'orchestre, Jean-Pierre Fleck se consacre depuis 2009 à la composition de musique pour orchestre d'harmonie. Thank you.
Nous allons à présent vous faire découvrir une pièce de Norman Taylor, compositeur suisse. Simple tromboniste au début de sa carrière, il deviendra par la suite chef d'orchestre et gravira les échelons jusqu'à devenir arrangeur. Voici Nogens, please. Thank you.
Vous allez maintenant entendre une compilation des plus grands succès du groupe ABBA, groupe pop suédois des années 1970. Cette compilation comprend des titres que vous reconnaîtrez sûrement, comme Money, 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 Fernando, Dancing Queen, Lay All Your Love on Me et Waterloo. Thank you.